C'était waouh. Je calme quand même. Enfin, j'arrive. Agression, s'il te plaît. Tu vas te calmer, madame, ok? Car, wouhou, c'est. M'a fait peur, la madame. Voilà. Alors. Où en étais-je? En fait, c'était réflexe quoi. Attends, je peux avoir d'ici? J'ai un coup de pied. Ah, par contre, l'angle de caméra est. Autant sur les antennes, bah, c'était en précalculé donc ça allait. Mais là, le fait que. Soit comme ça, t'as. Des fois, t'es un peu gêné. Vas-y, approche et tu l'oses. Qu'est-ce qu'on a là? La clé d'entrepôt du sous-sol. Où je suis, moi? Ok. On va voir si. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, bah, c'est Ibar. Mais waouh, ça va. Vas-y, approche. Je vais te faire têter mon marteau, toi. Je suis en mode sans pitié quoi, le coup de pied qu'il met. Blâme. Voilà, genre tiens dans ta gueule. Alors qu'avons-nous là? Oui, des soins. Ah mais par contre c'était pas sérieux quoi, comment ça hip hop? Non, par contre ça c'est assez, c'est pas cool quoi. Ah putain. En plus ça peut t'enchaîner hein. Ça c'est waouh. On va jouer à la sécurité. Quelque chose là-bas? Oh, ça. Du coup. Ça fait, on va dire, un peu de. Fiou, hein. Back to the basement.
Et attention. Nous rentrons en 30e minute de vidéo. Je crois que c'était un son. Ah, des cartouches, ça je suis preneur. Ça doit être de pouvoir être poussé. Ça se met en place tout de suite. Alors on utilise ça. Voilà. Du coup, ça nous fait un excellent carburant pour le briquet. Avec tout ça, ça devrait être dissous de la plaque. Ok, c'est censé être dissoudre, mais pourquoi pas. N'approchez même pas. Armé et très dangereux. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Jamais trop prudent. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas orienter bien l'angle de caméra comme on le souhaite. Bon, ça va. Lâche-moi, t'es trop moche. Putain, c'est qu'elle aura pu me tuer. Tiens. Voilà. Mais c'est pas possible. Bon, je veux bien que un hôpital soit où il y ait beaucoup d'infirmières, d'accord, mais pas autant. Surtout qu'ils viennent t'attaquer comme ça. Looks like someone's been here. Attendez, attendez. Il me semble que ce portrait est comment? Fait partie d'une référence. Je vais juste retrouver ça rapidement. Ah, voilà. Donc en fait, ce portrait-là,
avec surtout celui-là sur portrait photo. Donc je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc ça fait référence à la maison des damnés, The Legend of Hell House. L'apparence d'Aessa adolescente est inspirée d'un des personnages de ce film. C'est surtout évident avec le portrait d'Aessa qu'on peut voir notamment en début de la cinématique d'introduction. Certes, mais il y a également celui-là. Je vais essayer de vous mettre le comparatif maintenant. Comme ça, vous pouvez voir quand même que c'est un truc assez similaire. La Maison des damnés, donc, est un film de John Hughes, ou Hough, enfin, je sais pas comment est son nom de famille, qui est sorti en 1973, soit 20 ans avant que je naisse. C'est pour dire à quel point ce film est vieux. Car c'est, quand même, c'est, wow, 73, ouais, ça, sachant que le jeu se déroule en 83. Ça, vous pouvez voir quand même que c'est assez similaire. Vous voyez ça? Coup, nous avons la clé de la salle de consultation. Oh, je pense que c'était des boissons de vitamines, des espèces de bouteilles. Je peux pas regarder le tableau? Tant pis. Ah non, on va essayer de s'y casser. Donc ça fait déjà 36 minutes de vidéo. Je vais voir si je pourrais. Si je vais pas la couper en deux ou laisser en un bloc, je ne sais pas. Alors du coup, juste la salle d'examination, de consultation. C'est quoi ça? Ah mince, faut juste. Mais avant, on va quand même aller lire la cassette qu'on a trouvée. Puis, vu que j'ai fait le ménage au troisième étage, ça devrait être tranquille. Et puis, ça, là, ça participe à l'immersion du jeu. Donc, il y avait une télé dans la chambre 302. Alors, la chambre 302. Bah, voilà, voici qu'il y a la vidéo. Ouais. Nous avons installé la cassette. Encore habituel, fièvre. Ne peut pas avoir pulsar. Seulement respire. La peau est. J'aurais pas dû doubler les trucs parce que en fait c'est les bribes que ça mettait. C'est comment? Ça correspondait à ce qu'on pouvait entendre. C'est vrai que j'arrêtais en plein milieu, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant, nous pouvons retourner au premier étage. Pour la salle de consultation. Enfin, examination room en anglais. Hop, premier.
J'ai encore les puppets docteur, je crois. Au moins un. Plus un boucher quand même. C'est chaud. Je sens qu'il y a une petite cinématique. Je vous retrouve après. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Eh ben, la grosse, c'est pas trop passé ça. Donc, on a rencontré le personnage de Lisa Garland. Pendant un petit moment, malheureusement. À savoir que cette tenue, mis à part le, on va dire, le décolleté assez plongeant qu'on a pu voir, qui a quand même fait un portage plutôt, plutôt mignonne. Hein. Et donc, en fait, ce costume-là
est le même costume que portait l'infirmière dans l'Exorciste 3. Avec le gilet rouge fluo. Est-ce qu'il a récupéré la clé? Ou je vais la ramasser? Ah, pour moi, je vais la ramasser. Rien qui puisse servir à la clé. Apparemment, on est revenu dans le monde réel. Il y a un truc que je voudrais vérifier avant. En fait, je vais comment? Juste rapidement retourner enfin, quand je vais retourner, je vais aller à la cuisine et en gros commencer à préparer la fin que je vais avoir. Donc pour ceux qui auront fait le jeu, qui voient ce let's play, ils auront déjà deviné, mais pour les autres, je préfère préserver le suspense. Ouais, tu peux y aller. Ouais, j'aime bien le petit jump que j'ai fait. D'accord, donc en fait, j'aurais dû faire ça bien avant, bah tant pis. Ok. J'essaie de trouver un autre moyen. Ou alors je vous montrerai une autre fin, c'est pas grave. Sachant que la fin que du coup je peux plus vous montrer, cette fin-là je l'ai faite sur Dailymotion. Après s'il y a certaines personnes qui peuplent qui rôdent encore dans ce site-là, bah, je vous invite à comment aller voir ça. Je reviens ici. Ah oui, putain. Je pensais que c'était de ce côté-là, mais apparemment non. Bon, au moins ça, pas aussi valait 20 ans pour y revenir. Voilà, on va sauvegarder. Et voilà. Donc ça fait quand même une vidéo assez conséquente là. Je pense qu'elle sera sûrement coupée en deux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, enfin, ces deux vidéos qui étaient consacrées à l'hôpital. Donc, à mon avis, là, c'est bon, on est vraiment au milieu, on est au milieu du jeu. Je pense que d'ici 6 ou 7 vidéos, voire peut-être voire une dizaine grand maximum, le jeu sera terminé. Donc voilà. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce positif, un commentaire, et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.